Bienvenue sur Malaïka, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, j'ai un sujet très controversé à vous présenter et nous allons en débattre, bien sûr, avec le panel habituel. Alors, découvrez avec moi le sujet houleux du jour. Aujourd'hui, le sujet, c'est chrétien et mensonge. En tant que chrétien, est-ce que nous sommes autorisés à mentir? Est-ce que dans certains cas, devant le Seigneur, ce n'est pas considéré comme un mensonge? Est-ce que dans d'autres cas, c'est plutôt condamné par le Seigneur? Quels sont les cas? Comment discerner? On va essayer de répondre à toutes ces questions avec notre panel habituel, Mamodré, Mama Janine et Magali. Bonjour Nadège. Ravie de vous retrouver en tout cas. Pour ce sujet haut en couleur. Et pour répondre aux questions bibliques, Mama Audrey, nous avons aujourd'hui un pasteur. N'est-ce pas? Voilà, qui nous vient de l'île de la Réunion. Donc, c'est le pasteur Bernard Banon. Merci en tout cas d'être avec nous pour ce programme. Bonsoir à tout le monde et merci de m'avoir invité ce soir. Je suis très content d'être là ce soir. Ah ben nous aussi, vraiment. Quelques questions épineuses tout à l'heure, mais... J'espère pouvoir vous répondre. Ah. Ben justement, restez connectés avec nous pour découvrir les réponses du pasteur dans un instant. Mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Alors justement, Magali, on commence par la question habituelle. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est le mensonge? Le mensonge. Alors, des éléments de définition. Eh bien, le mensonge, Nadège, c'est l'énoncé délibéré d'un fait contraire à la vérité, nous dit tout simplement le dictionnaire classique, ou encore la dissimulation amoindrie de la vérité. Et dans ce dernier cas, par exemple, quand on parle de dissimulation de la vérité, Nadège, eh bien, on parle plus particulièrement de mensonge par omission. Donc, il ne faut pas confondre avec la contre-vérité qui désigne en fait simplement une affirmation inexacte, voilà, parce que ça aussi, il faut nuancer. Mm-hmm. Et donc, c'est une forme un peu de manipulation qui vise à faire croire ou à faire faire à l'autre ce qu'il n'aurait pas cru ou fait si il avait su la vérité, tout simplement, nous dit donc le dictionnaire. Et bien sûr, en général, le mensonge s'oppose à la vérité, à la véracité, le fait de dire le vrai, à la sincérité et aussi à la franchise, évidemment. Alors, dans les traditions morales et religieuses, Nadège, il faut savoir que le mensonge est considéré, évidemment, comme un vice ou comme un péché, même si certaines formes de mensonges ont été légitimées par quelques penseurs. Par exemple, on a le droit de mentir. C'est un droit de mentir. On a tous les droits maintenant. Voilà. On a le droit de mentir. Et on a aussi ce droit, c'est un droit de pouvoir mentir. Voilà. C'est dans des cas spécifiques. Dans des cas spécifiques, bien évidemment, mais c'est un droit pour l'être humain, tout simplement. D'accord. Et ensuite, on va passer dans le contexte, bien sûr, biblique, brièvement. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques versets qui nous disent clairement qu'il faut renoncer au mensonge et que, bien sûr, le diable est le père du mensonge. Il y a un pasteur sur le plateau qui pourra nous le confirmer. Alors, qu'est-ce que j'ai pu trouver dans l'Église en Afrique en général? C'est que dans les cercles évangéliques, il y a de plus en plus de voix, Mama Audrey, qui s'élèvent pour ouvrir la porte à la possibilité de mentir dans certaines circonstances, arguant notamment que dans les Écritures, il y a des situations où il y a eu des exemples où les gens ont menti. Par exemple, Abraham, quand il a affirmé que Sarah était sa sœur, ou l'histoire tout simplement de Rahab, la prostituée de Jéricho, qui volontairement, elle a caché les espions envoyés par Israël, et elle a menti aux autorités de la ville qui les recherchait, ces espions. Alors, vous avez également l'autre cas, les sages-femmes égyptiennes, bien que Pharaon ait ordonné de mettre à mort tous les enfants hébreux, elles ont caché, elles ont eu la crainte du Seigneur, et elles ont caché ces enfants, et elles ont menti à Pharaon. Donc, voilà, il y a quelques exemples. Et dans les cercles, voilà, dans les églises, on utilise ces exemples pour justifier le fait de ne pas dire la vérité. Donc vous avez plusieurs écoles de pensée. Il y en a qui vont dire que nous n'avons aucune obligation de dire la vérité à des personnes qui, par exemple, cherchent à prendre une vie innocente. C'est le cas justement de ces sages-femmes et de Rahab. Et vous avez un autre cas de figure où il est dit qu'il est possible de mentir, mais vraiment en certains contexte, par exemple, où on est dans le cas des chrétiens persécutés, où par exemple ils font venir des bibles dans certains pays où on n'a pas le droit de lire la Bible et on est obligé de mentir pour faire circuler les informations. Voilà, exactement. Mm-hmm. Donc voilà ce que j'ai pu trouver sur ce sujet, Nadège, très controversé. Voilà que j'ai jeté les choses. Voilà, allez-y. Débattez maintenant. Il y a débat en tout cas et je vais, avant de rentrer dans le vif du sujet avec Mama Audrey et bien sûr le pasteur Bernard Banon, Mama Janine, comment est perçu, et en tout cas vécu, le mensonge en Afrique et surtout à Kinshasa?
Alors à Kinshasa, le mensonge est proscrit, il est banni. Mais dans la vie de tous les jours, on réalise que de façon consciente ou inconsciente, les personnes, les chrétiens, ont recours au mensonge. Pour exemple, une fois j'étais à la maison, maman Audrey, dans mon salon avec une sœur, on conversait et son téléphone a sonné. Alors elle répond, oui, je suis dans le transport en commun, j'arrive. D'accord. Et quand on préparait ma laïka, une sœur me disait, bah, tu sais, maman Janine, pour venir à La Réunion, j'ai dû mentir à mes parents parce que sinon, je n'aurais pas pu venir. Puisque sinon, ils trouvent qu'il y a trop de programmes à l'église, on est trop souvent ici. Et donc, j'ai dû mentir pour pouvoir venir. Et, mais c'est quelque chose qui est assez commun et qui est assez installé, j'ai envie de dire, puisque les personnes vivent avec le mensonge. Alors, c'est des petits mensonges comme ça. C'est une monnaie courante. On s'habitue. Voilà, c'est une monnaie courante. On s'habitue. On s'habitue à ça et on ne fait même plus attention. Et, mais le témoignage qui m'a le plus, en tout cas, touché, c'est celui de cette sœur qui explique que pendant des années, donc, elle a menti à son mari pour éviter les conflits, pour éviter tout ce qui est clash, dispute. Mm-hmm. Donc, elle mentait. Mais surtout dans le budget, elle prenait de l'argent du budget pour acheter des habits alors que ce n'était pas prévu pour ça. Ah bon, elle volait aussi alors. Alors, elle arrivait toujours à tout acheter. Quelque mais... chose entraîne autre chose à voler. Voilà, c'est ça la difficulté du mensonge. Jusqu'au jour, une amie à elle qui était aussi chrétienne venait mm-hmm. aussi chez elle, qui a commencé à acheter des habits à l'insu de son mari et elle est cachée chez elle. Et ce qui s'est produit, c'est que le mari a découvert. Et ça a été le début de la fin de l'histoire. Elle a compris que ce n'était pas possible de continuer comme ça. Mm-hmm. Et en fait, elle explique qu'elle cherchait la paix avec son mari. C'est pour ça qu'elle mentait. Mais qu'elle avait perdu la paix avec le Seigneur. Parce qu'elle culpabilisait, elle n'arrivait mm-hmm. plus du tout à avoir une vie de prière. Et quand cette chose a éclaté, elle a trouvé le courage d'aller trouver son mari et lui dire, bah, écoute, voilà, moi aussi je mentais sur ça, sur ça, sur ça. Elle a tout dévoilé et son mari lui a dit, bah, écoute, j'attendais le jour où tu viendrais enfin m'avouer. Parce qu'il était au courant, mais il l'attendait, il n'a pas réagi. Et c'est là qu'elle s'est dit, mais pourquoi j'ai menti finalement? J'étais en manque de confiance. En fait, j'habite un menteur, elle a fait croire que ça devait être un gros problème. Exactement. Et ça s'est très bien passé, en tout cas avec son mari. C'est une vie dans le mensonge, là, on va dire, dans la dissimulation. Hein. Voilà. Elle a vécu longtemps. C'est un cas de figure un peu spécial, on va dire. Mais justement, en parlant de mensonges et des cas de figure de mensonges, Mama Audrey et Pasteur, vraiment la question est ouverte. Est-ce qu'il y a des petits mensonges et des grands mensonges? Comme on dit, les petits péchés et les grands péchés. Enfin, moi ce que je me souviens, quand j'étais jeune, on mangeait des plats de la langue de bœuf. Et on disait toujours, c'est la langue qui n'a jamais menti. Et aussi raconter des histoires où quelqu'un téléphone chez une amie et elle cherche la maman dit à l'enfant, dis que je ne suis pas là. Ben maman te dit qu'elle n'est pas là. Donc, bon, écoute, je crois que il n'y a personne ici qui peut dire qu'il n'a jamais menti. Il serait un menteur d'ailleurs, je veux dire. Pour le coup, Donc, qui c'est d'entre nous qui n'a jamais menti? Mm-hmm. Enfin, je dois dire que parfois, on est un petit peu léger, peut-être. Parfois, tu es fatigué, tu es occupé, le téléphone sonne, tu dis « je suis en réunion ». Je ne suis pas en réunion, mais bon, ça arrive de dire des choses comme ça. Mm-hmm. Mais après, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Pour dire « je suis en transport en commun ». Alors. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. Mais quand même, il faut réaliser qu'il y a des situations où... Comment je peux expliquer ça? On ne peut pas... Il s'agit de l'intérêt du royaume de Dieu. Je connais des gens qui venaient, par exemple, dans un pays où l'évangile était opposé. Ils arrivaient là, on leur demandait s'ils venaient en vacances. Ils disaient oui. Est-ce que tu connais l'Église? Non. Mais bien sûr qu'ils connaissaient l'Église. Ils ne venaient pas là en vacances. Mm-hmm. Mais c'était dans l'intérêt de l'Église qu'ils le disaient, puisqu'ils venaient là pour un plan de Dieu dans leur vie. Mm-hmm. Et parfois, les gouvernements, les autorités se posent à ces choses d'une manière naturelle, comme on sait qu'en Chine, on peut pas passer des Bibles. On sait qu'il y a des pays dans le monde qu'on ne peut pas passer des Bibles. Et tu le disais du reste. Oui, tout à fait. Et les gens le font à leur risque. Puisqu'en le faisant, ils risquent gros. Mais ils le font par amour pour le Seigneur. Mm-hmm. Donc, je ne pense pas que ce genre de mensonge dérange le Seigneur ou même la propre conscience.
Mais il faut faire attention que ça ne devienne pas un style de vie. C'est ça, c'est ça. Et que ce ne soit pas une vie cachée, comme cette sœur dont Janine parlait. Bon, c'était un peu la crainte de l'homme, c'était un peu peut-être un mensonge d'un ennemi qui l'a fait croire, si tu dis ça à ton mari, ça va faire tout éclater, qu'elle a cru, et par la suite, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas continuer. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans ce mensonge. Il y a une différence, je crois, entre un mensonge et un style de vie de mensonge. Je crois que c'est quand même une grande différence. Mais il ne faut pas oublier que Dieu est un Dieu de vérité. C'est ce que j'allais poser, justement, j'allais poser la question. Là, j'étais devancée. Dieu est un Dieu de vérité, et quand il s'agit de la parole de Dieu, 99% de vérité et 1% de mensonge n'est pas la vérité. Ah. La parole de Dieu est 100% vraie. C'est la vérité, c'est pur, c'est vrai. Et je crois que le Seigneur nous appelle, nous, en tant que chrétiens, à être pur, à être vrai. Et parfois, c'est un peu la crainte de l'homme. On ne veut pas offenser, on ne veut pas blesser quelqu'un, on ne veut pas lui dire que, ben, effectivement, on a vu son appel téléphonique, mais on ne voulait pas répondre, on était fatigué, on sait que ça va blesser cette personne. Des petits trucs comme ça qui font que on passe un peu à côté, ça ne veut pas dire qu'on a raison. Mais il ne faut pas croire que, quand je vois Abraham, elle a parlé du cas d'Abraham, ben le Seigneur n'a jamais reproché la chose à Abraham. Au fait, le Seigneur a même, est même intervenu pour Abimélec et lui a dit que s'il touchait à Sarah, ben, Dieu allait prendre sa vie. Et que jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, toutes les femmes de l'endroit étaient stériles. C'était Dieu avait frappé toutes les femmes de stérilité. Donc, Rahab, on parle d'elle tout le temps. Bien sûr. Pourtant, elle était une prostituée. Comme un exemple de foi. Les parents de Moïse. Et les parents de Moïse, oui, voilà. Moïse sauvait des eaux. Quelle grâce, je veux dire. Ils ont eu la foi pour préserver leur enfant. Ils ont menti contre toutes... les autorités. Contre toutes les autorités, contre tout. Les femmes sages, comme tu disais. Donc, quand c'est dans l'intérêt du royaume de Dieu... Et du plan de Dieu. Et du plan de Dieu. Effectivement. Je crois qu'on a une liberté dedans. Ce n'est pas pour tromper. Je ne parle pas de mentir aux autorités pour notre taxe. Voilà. Je ne parle pas de mentir aux autorités quand il s'agit des revenus qu'on perçoit et de faire des choses sous la table, d'être pas clair. Non, je ne parle pas de ça du tout. Mais quand il s'agit du royaume de Dieu, je ne peux pas dire ce que je veux dire par là. Je ne peux pas dire, ah ben, je ne déclare pas ma taxe puisque je vais donner ça au royaume de Dieu. C'est ça que je veux dire. On arrive à ça m'est déjà arrivé d'arriver à un comptoir, à la caisse pour payer, et subitement, je réalise qu'elle n'a pas passé un item. Et c'est une tentation de se dire, ben, c'est le Seigneur qui bénit, c'est la première chose qui nous vient en tête. Et c'est, ben, ça, c'est la bénédiction du Seigneur. Mais après, je dis, mais c'est pas possible. Je dis, écoutez, madame, je suis désolée, mais je crois que vous avez fait erreur. Vous n'avez pas part... Sinon, on peut s'embêter soi-même et de se dire, ben, c'est le Seigneur qui nous bénit. C'est ça. Mais il faut savoir dire la vérité. Quand il faut dire la vérité, on est des gens de vérité et on doit être connus pour être des gens de vérité. Bien sûr. Moi, j'aimerais rebondir justement là-dessus avec une question au pasteur. Justement, comme on parlait des exemples de la parole de Dieu, notamment dans Éphésiens 4, 25, qui dit « Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain », comment justement faire la distinction entre un mensonge qui soit peut-être pour aider ou un mensonge qui est vraiment un style de vie? Enfin, moi, je pense qu'il faut, pour mettre les choses au clair, je pense que il faut différencier, d'après ce que Audrey disait tout à l'heure, ça arrive à tout le monde de mentir, n'importe quand, dans une journée, à n'importe quel moment. Mais ce qui est important de faire ressortir, c'est que il y a une différence entre vivre dans le mensonge et dans la duplicité, c'est-à-dire avoir une vie complètement dans le mensonge. Au fait, quand le Seigneur nous a délivrés de notre péché, quand on est né de nouveau, certains d'entre nous vivaient dans le mensonge. On avait l'habitude de mentir. On dit mentir comme on respire. Oui, tout à fait. On vivait là-dedans, ça ne nous posait aucun problème. Mais quand on vient dans le royaume de Dieu, Dieu peut nous montrer notre état. Quand on est de nouveau, Dieu nous montre notre état. Et de ce fait, je pense que le chrétien... quand il naît de nouveau, qu'il arrive, quand il vient au Seigneur, le Seigneur veut le délivrer de cette condition et le libérer complètement. Parce que la parole de Dieu est claire concernant ce point-là. Colossiens chapitre 3, verset 9, « Ne mentez pas les uns aux autres ». Amen.
c'est plus que clair que la parole de Dieu ne cautionne pas le mensonge. Mais comme Mama Audrey disait tout à l'heure, dans la parole de Dieu, nous voyons clairement, assez, beaucoup d'endroits dans l'Ancien Testament, où des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, pour défendre quelqu'un, pour protéger quelqu'un, et aussi en ligne avec le plan de Dieu, ben, ils ont, comme Abraham, tu mentionnais, c'était une demi-vérité. Et David, les parents de Moïse, ben, y a des cas de figure comme ça dans la parole de Dieu, c'est clair. On va pas s'appuyer dessus pour développer un style de vie. C'est s'appuyer là-dessus et cautionner maintenant qu'on peut, on a tous les droits, on peut vivre dans le mensonge, tout est permis. Parce qu'on voit aussi dans la parole de Dieu, pasteur, qu'il y a eu un cas, par exemple, dans, dans Actes des Apôtres, où un couple, justement, a perdu la vie après, après avoir menti. C'était du sérieux. C'était du sérieux. La parole de Dieu, mentir au Saint-Esprit. Mentir au Saint-Esprit. Il a menti carrément au Saint-Esprit. Il est allé, c'était une étape plus loin encore dans le mensonge. Il a menti au Saint-Esprit ouvertement. Il n'a pas réalisé qu'en mentant à Pierre et aux apôtres que le Seigneur avait établis, c'était à Dieu qu'il mentait. Pour lui, il n'a vu que des hommes, mais finalement, c'est au Seigneur qu'il était en train de mentir dans toute cette situation. Bien sûr. Et là, la sanction était quand même assez sévère et assez brutale. Mais je pense que c'est très important de savoir que le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, est un Dieu de vérité. Et comment Dieu n'a pas hésité d'exposer David? Il aurait pu cacher le péché de David, ne jamais en parler. Bien sûr. Mais il n'a pas hésité, il est un Dieu de vérité, il a dit ce qu'il fallait, il s'est écrit ce qui est écrit chez David. N'empêche qu'on voit la restauration de David, on voit comment le Seigneur l'a pardonné, mais le Seigneur est un Dieu de vérité, il restera toujours un Dieu de vérité. D'ailleurs, dans le psaume 51, David dit « Tu veux que la vérité habite au fond de mon cœur. » Amen. Amen. C'est mentionné clairement, noir sur blanc. Donc c'est la... une des leçons que le Saint-Esprit a voulu lui donner dans la situation qu'il a traversée, bien entendu. Comment discerner justement, quel élément le chrétien peut avoir pour discerner que ça, ça n'est pas condamnable devant le Seigneur et ça, ce mensonge-là est condamnable devant le Seigneur? Moi, je crois que le baromètre dans le cœur d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là comme un baromètre et peut me montrer dans les situations. C'est comme pour n'importe quoi qui est de la chair. Le Saint-Esprit est là pour me montrer, là, attention, tu es en train de franchir une limite. Ou il te montre, ben, là, tu as menti. Et bien sûr. Et ce n'est pas correct, ce que tu as dit n'est pas correct. De toute façon, on le sait, hein, je pense, d'un point de vue conscience aussi, je pense. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Voilà. Ah. Amen. Donc amen. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Et la vérité te rendra libre. Ah, amen, amen, Mama Audrey. Mais est-ce qu'il y a des cas où est-ce que on peut forcer une personne à mentir? Et est-ce que dans ce cas-là, cette personne, elle est coupable devant le Seigneur? Non, mais de toute manière, on ne peut jamais forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit. Je veux dire, c'est impossible de forcer quiconque à faire quoi que ce soit. On va tirer cette autorité où? On peut malheureusement conseiller quelqu'un de mentir. C'est une grosse responsabilité. Ça dépend du cas, dans quel cas que c'est. Si c'est un cas, comme je dis encore une fois, si c'est dans l'intérêt du royaume de Dieu, je crois qu'on peut avoir une certaine liberté d'après notre maturité et d'avoir la personne à qui on a affaire, n'est pas un chrétien qui est né hier matin, qu'on peut avoir une certaine liberté. Mais encore une fois, il faut toujours regarder dans quel but. Est-ce que c'est la crainte de l'homme? Est-ce que c'est dans l'intérêt du royaume de Dieu? Est-ce que c'est pour un plan de Dieu se réaliser? Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu. Mais comme disait Bernard, on ne peut pas cautionner. On n'est pas là pour cautionner le mensonge. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier non plus, comme on a vu des cas de la Bible, qu'il y a des situations où le mensonge passe comme une lettre à la poste et que le Seigneur même ne nous le reproche pas, puisque c'était fait avec un cœur pur, avec une intention pure, dans un but précis. Ce n'est pas pour cacher une vérité, ce n'est pas pour dissimuler une vérité, ce n'est pas pour donner un faux renseignement, ce n'est pas pour manipuler, c'est rien de tout ça. Maman Janie. J'ai le cas d'une sœur qui me confiait qu'elle, ça lui arrive de mentir quand elle est coincée dans une situation où c'est plus facile de s'échapper par un mensonge. Et vraiment, avec le pasteur Bernard, je voulais savoir, parce que vous parliez tout à l'heure d'un style de vie. Donc, elle se tire d'affaires comme ça. Alors, après, elle se repent, parce que
Elle, elle est mal à l'aise, parce que c'est spontané, mais elle se repent. Mais est-ce que là, on est dans un style de vie ? Le fait même qu'elle se repent, c'est que le Saint-Esprit lui montre, lui a montré quelque chose de clair, qu'elle était vraiment... À côté de la plaque. À côté de la plaque, si on peut dire. Tout est ramené, comme je disais tout à l'heure, moi je pense que on doit tout ramener à la conviction du Saint-Esprit dans n'importe quelle situation. Ça, on parle du mensonge aujourd'hui, on peut parler d'autres choses, mais je crois qu'aujourd'hui, le chrétien doit vivre par conviction. Doit être une conviction. Là, vous savez, des fois, les petites choses commencent très petites comme ça, et puis ça peut devenir un style de vie après. Ça aussi, il faut faire attention. Je crois aussi que ce que tu disais, Nadège, forcer quelqu'un. Je pensais à un cas de figure dans un travail. Je suis un chrétien, je travaille pour un non-chrétien. Voilà, exactement. Et il veut m'emmener à mentir. C'est ça, à dissimuler des choses. À faire un faux document. Fausse déclaration. Voilà. Là, ça devient du compromis. Là, ça devient du compromis. C'est pas du tout... le même style de mensonge. Là, c'est pas une question de... Là, c'est pour sauver ma peau. Je veux pas perdre mon travail. Enfin, c'est pas toujours évident. C'est difficile, parce que j'ai 5 enfants. J'ai pas de travail. C'est pas facile d'avoir un travail. Je sais que si je ne signe pas ce papier-là, je vais perdre mon travail. Mais ça dépend où je suis. Où je suis rendue dans ma marche avec le Seigneur. Exactement. Où est ma foi? Dans quelle mesure je peux lui faire confiance? Mais dans ces cas-là, on peut forcer les gens... Des gens peuvent nous forcer, nous chrétiens, à mentir dans une situation pour leur intérêt. C'est ça. Et dans ces cas-là, le chrétien, il est supposé, en fonction de sa maturité... Je crois qu'il faut qu'il prenne position. Je crois qu'il est appelé à prendre position et à faire confiance au Seigneur. Mais encore une fois, je ne peux pas mettre une loi. Puisque si lui, il n'en est pas là, il faut voir. Il a 5 enfants, c'est le travail extraordinaire qu'il a eu, qui rend grâce au Seigneur. Je ne sais pas trop quoi dire. Je ne vais pas lui dire, non, tu dois prendre position, puisque ce n'est pas moi qui vais nourrir ses enfants après. C'est en lui le Seigneur. C'est en lui le Seigneur, et voilà. Les situations sont tellement différentes. Il y a des cas de figure vraiment... on ne peut pas appliquer les mêmes formules. Ça, c'est une forme de légalisme, on va dire aussi. D'appliquer les mêmes choses à toutes les situations. Exactement. Ce n'est pas possible. Il y a un cas de figure, par exemple, là, comme Maman Audrey dit, la personne, le frère, il a une famille nombreuse, il va perdre son travail, il faut ressentir aussi... Et après l'envergure du mensonge, qu'est-ce que ça implique. Comment faire dans des cas de figure où on est, par exemple, entouré d'un frère ou d'une sœur chrétienne, mais qui est un menteur ou une menteuse invétérée? Comment gérer justement cette personne? Je crois que ce frère-là, il a bien besoin de l'évangile. Il a bien besoin de l'évangile parce que... c'est un frère qui vit dans le mensonge. Il ne grandit pas. On ne change pas. C'est une déception, finalement. On ne change pas, on reste pareil. On dit que j'ai un problème, j'ai la main longue, je vole. Je continue à voler, je suis sauvé, je continue à voler. Je ne change pas. Il y a des choses qui prennent du temps pour que le Seigneur fasse une œuvre dans notre cœur. On voit le frère Pierre. On voit la crainte de l'homme qu'il avait à la croix. Exactement. On voit cette même crainte la retrouver des années après dans le livre des Galates avec Paul. Donc il y a des choses qui prennent du temps pour être changées, pour être libérées. Surtout que le mensonge, ça va de pair avec le vol très souvent. Exactement. Et c'est parfois une habitude tellement racinée dans la vie des gens. Ils ont grandi comme ça, ils connaissent que ça. Et vraiment, ça demande d'entendre l'évangile, d'être confronté, d'avoir une sensibilité à l'esprit pour nous montrer, mais écoute, ce n'est plus le style de vie que je t'appelle à vivre. Exactement. Et pour le cas des gens pour qui c'est une maladie. Voilà, c'est ça, gens, non, parce que, la mythomanie, ça existe. C'est ça, il y a des gens qui sont mythomanes. Qui aiment mentir, qui vivent. Voilà, c'est ça. Mais le Seigneur guérit, non? Voilà. Ah. Exactement. Il faut qu'ils soient conscients de ça et qu'ils soient prêts à être assez humbles pour venir chercher de l'aide. Ils disent, écoutez, j'ai un gros problème. J'arrive. Je crois aussi que si on entend l'évangile, on peut être mythomane, hein, quelqu'un peut être voleur aussi, ça peut être maladif, ça. Tout à fait. Mais quand on entend l'évangile... La kleptomanie. Oui. On entend l'évangile, on est confronté par la parole de Dieu. À un moment donné,
je crois que les choses doivent se passer. Bon, ce n'est pas automatique, on va dire, c'est une œuvre du Seigneur dans le cœur de quelqu'un. Mais une conviction doit arriver. Une conviction doit venir par le Saint-Esprit à un moment donné ou à un autre. Et moi, je relis un petit peu ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Dans le livre des Galates, l'apôtre Paul parle des fruits de l'esprit, mais il parle aussi des œuvres de la chair. Bon, quand il parle de l'envie, la jalousie, bon, la liste, il donne une liste, mais bien sûr, elle ne s'arrête pas là. On peut mettre le mensonge aussi dedans, c'est une œuvre de la chair. Donc, on a autant besoin, c'est comme pour tout ce que le Seigneur doit faire dans notre cœur, il doit nous délivrer du mensonge, c'est une œuvre de la chair, on a besoin de crucifier ce vieil homme-là et que l'Évangile mette à mort cet élément-là dans notre vie. En tout cas, c'est très très clair, Maman Audrey. Je ne sais pas si le mot de la fin va nous éclairer encore plus, mais il nous reste très très peu de temps et je vais t'inviter, Maman Audrey, à nous donner le mot de la fin. Qu'il y ait une crainte de Dieu dans notre cœur, que Jésus, la voix du Saint-Esprit se fasse de plus en temps dans nos cœurs, et de savoir que nous sommes un peuple de vérité. Nous sommes appelés à être un peuple de vérité. Marcher dans la vérité. Et un peuple en qui les gens peuvent avoir confiance et avoir un témoignage. On doit être différent des gens du monde, sans mettre de loi sur personne, mais je crois que nous sommes appelés à briller pour le Seigneur. Et ça, c'est un domaine de notre vie où je pense que tout le monde, nous avons besoin d'une œuvre du Seigneur pour nous emmener à marcher dans une plus grande liberté, une plus grande vérité, avec moins d'une crainte de l'homme pour la réaction des gens par rapport à ce qu'on a à dire. Exactement. Et sans vouloir cacher quoi que ce soit ou embêter quiconque. Bien sûr. Mais je crois que c'est l'appel de nous tous, de tous ceux qui nous entendent. Et c'est une grâce de savoir qu'on peut toujours se repentir devant le Seigneur, on peut toujours accepter un certain état de choses et reconnaître, être humble devant le Seigneur et savoir que le Seigneur nous pardonne et nous permet de recommencer. Et si on rechute aussi, il y a encore le pardon quand on se repent devant le Seigneur. Amen. Mais il nous appelle une marge de sanctification. Amen. Et ça, il ne faut pas perdre cela de vue, qu'on devienne de plus en plus, c'est le but de notre salut, qu'on devienne de plus en plus à l'image de Jésus. Amen. 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 Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Amen. Tout à fait. Merci en tout cas, Maman Audrey. Bien sûr, merci beaucoup, Pasteur Bernard, d'avoir fait le déplacement et d'être avec nous sur ce plateau. Bien sûr, Maman Janine et Magali. Et bien sûr, merci à tous ceux et celles qui nous suivent. Nous vous invitons bien sûr à nous envoyer des petits messages, à parler de l'émission à vos amis, à ceux qui vous écoutent autour de vous. Et bien sûr, on vous dit à très très bientôt pour un autre thème tout aussi passionnant. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaïka, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaïka.